Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier. On va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Et voici donc la Serbie contre la Suisse. Bonjour, Grégoire Margoton, heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de football. J'ai en ma compagnie Darren Tulette et son regard décalé. Salut Darren. Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes aussi impatients que nous d'assister au coup d'envoi. Au bon moment. Tadic. Oh là là, quel dégagement en catastrophe. La Suisse qui cherche l'étincelle. Embolo. S'il le trouve, voilà une bonne occasion de contre. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Ça manque un peu de solution. La faute. Mais ça n'arrivera pas, pas assez précis. Repiqué dans l'axe peut-être. C'est Maïli. Le tacle est très propre. Gaïc qui cherche la profondeur. Tadic qui veut se projeter. Il glisse le ballon. Ça peut être dangereux. Bien repoussé par le gardien. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Son duel. Shaqiri. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Pas de but dans cette première période, mais ce match est loin d'être terminé. Ils n'ont jamais vraiment été inquiétés dans cette première mi-temps. Le crédit revient à toute l'équipe. Ils ont défendu de partout, tout en restant très très bien organisés. Aucun but marqué d'un côté comme de l'autre. 0-0 à la mi-temps. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. On a vu les stats et avec deux fois plus de tirs d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Il n'a pas réussi à faire de différence dans les zones décisives aujourd'hui. Il le marque à la culotte. Mais attention, ça risque de créer des brèches ailleurs. Gaïc. Il choisit là-bas, sur l'aile. Ah, il est bien monté.
La belle interception. Shaqiri. Oh, il a bien vu son coéquipier. Et aucune des deux équipes n'est encore parvenue à faire la différence. Bonne réception sur cette longue passe. La qualité du marquage est à souligner quand même. Faut avouer que c'est un joueur à surveiller de près. Sinon, on s'expose vite à de mauvaises surprises. La passe dans la profondeur. Mitrovic en retrait. Alors, que va-t-il faire? Ça sent la frappe. Il peut frapper. Et c'est un but! La frappe enroulée, elle finit au fond. C'était vraiment un boulet de canon. Le gardien n'avait aucune chance, il n'a rien à se reprocher. Bien, ça fait 1-0. Ça fait 1-0, mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match. La passe est précise. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. C'est bien donné. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Bien servi. Dans la surface. Oh, quel geste! Oh, c'était dangereux, quel geste! Quelle défense, il y avait danger. Shaqiri. Bonne intervention, c'est récupéré. C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. La Serbie qui cherche l'ouverture. La frappe, attention! Oh, le but! C'est peut-être un pas de géant vers la victoire. Ah, le lob! Il est magnifique! Et on a l'impression que c'est facile pour lui. Quel coup d'œil, quel toucher! Il a fini de s'échauffer, il va pouvoir entrer en jeu. Eh bien moi, ça me surprend qu'il ait attendu aussi longtemps. Il attendait peut-être une réponse de ses joueurs, mais visiblement, il aurait eu marre d'attendre. Ils ont certainement assuré la victoire avec ce but. Met un terme à cette rencontre. Victoire méritée, pas grand chose à dire si ce n'est que c'était vraiment un grand spectacle de la première à la dernière seconde. Que retenez-vous de cette rencontre? Un clean sheet et un match gagné, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Beau match, belle soirée, belle ambiance, un beau stade, tout était là d'arène pour qu'on se régale vraiment pendant cette rencontre. On se retrouve très vite, à bientôt.